un petit moment AFH, un Garandeur fluonnais plutôt violent et franchement très technique, face à Koi, alias Fluoman, alias Seb, alias le président de mon BDE, un Garandeur grenoblois qui est franchement. Vous voyez, vous pouvez voir par vous-même. il est posé et il a franchement un potentiel de spacing monstre, mais ça lui arrive de faire beaucoup de choses très intéressantes, comme ce suicide que je trouve quelque part fort intéressant. Et vous voyez donc AFH donc à gauche sur l'écran et qui est donc le Ganondorf bleu à droite face à qui vient de faire une sticky walk. Mais cet homme, oh là 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 là, une un forwarder, la mandale du le brise-crâne. Il a essayé de briser le crâne de Coyote afin de broyer son cerveau sur le long terme. C'est vraiment oh là 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 là, le chaîne crabe. Oh mon dieu, il a voulu mind gamer une tech. Et il a cru qu'il pouvait faire naquir la peur dans le cœur de Koi, mais Koi n'a pas de peur. C'est un viking. Il est. Oh mon dieu, j'ai vu les visages de tout le monde se lever au moment de ce downer. Oh là 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 là, les gars ont dit oh. Le phase de pressure, jab 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 jab. Dans le bouclier, j'espère que ça passe. Et une possibilité de 4 stocks sur stream de la part de AFH qui va essayer de d'humilier. Hein. Enfin, ça a beau être Lyon, Grenoble, ça a beau être proche, mais. Et Koi qui a mis une superbe phase, malheureusement, ça a pas touché. Le timing était légèrement off. Il a mis le jab pour l'envoyer sur le côté. Oh là là! Oh! Oh mon dieu! Ah! Oh là là! Il faut arrêter! Il va essayer de remettre ça. Oh là 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 là. Ah, le sourire. Le petit sourire sur la tête d'AFH qui aurait pu d'ailleurs mettre un 4 stock s'il avait wall-také le UB. Il a pas fait ça. Du coup, il est parti genre à 300 km/h sur la gauche. Et il est mort. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Koi qui essaie de se remettre bien dans cette phase-là en utilisant la plateforme pour spacer. Malheureusement, AFH est monstrueux. Il est tellement monstrueux qu'en fait il fait beaucoup trop de trucs. Là en l'occurrence il avait pas de trucs excessifs à faire. Il saute partout. Du coup il rate le moment décisif de l'edge guard et il continue de le frappouiller. Parce que ouais c'est il le refrappouille. Il le frappouille avec le béba, avec le wizard's foot, le pied du sorcier. Et Koi qui essaie de mettre des petits trucs tranquillou. Il essaie de le mettre il essaie de l'envoyer sur le côté. Finalement, ça ne se produit pas. Un B côté. Un up B. Koi qui a mis un forwarder. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. En fait, je ne vois pas exactement tout ce qui se passe sur l'écran. J'imagine que vous non plus. Koi qui a l'extérieur. Waouh, magnifique spacing là de la part de Koi qui ne s'est pas mangé les backers de Ganondorf. Et Dieu sait qu'ils sont énormissimes. AFH qui fait la sticky walk et qui a voulu mettre un up smash mais ça ne passe pas. Koi qui est à l'intérieur, il l'envoie vers l'extérieur. AF qui essaie de revenir. Il revient, c'est bien grâce à ce fichu nuage. Koi qui est à l'intérieur, il se fait expulser sur le côté. Un up tilt, un upper en reverse pour contrer le baby. Koi qui est beaucoup plus en maîtrise du match par rapport au match précédent. On sent que c'est relativement serré. Magnifique le up air. Et malheureusement le wave dash qui n'est pas passé, mais il a réussi à rattraper ça avec le back air. Voilà, il a voulu choper un AFH sauvage qui était invincible. Ça ne s'est pas produit. AFH qui lui space là, c'est bon, il s'y est remis. On a entendu un bon petit de la part de Koi qui était quelque peu surpris et frustré de cette phase. Wouah, AFH là qui est en grande forme, qu'il rechoppe. Bon, il a voulu mettre le smash-o, il est parti dans le mauvais sens, mais l'intention, le cœur y était.
car le cœur de Ganondorf est au bon endroit. AFH qui mindgame les roulades vers le centre du terrain en rechampant derrière, en envoyant vers le haut. Koike est allé mille fois trop loin cette phase-là, elle marchait mais avec un placement différent de la part d'AF. Ouais, c'est ça, c'est Koike a été surpris que AF saute.